Next Level Games! Tout est se tire. Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Passepas and le retour Fireflame, de Fireflame. Très heureux d'être ici avec ce super jeu. On est parti pour un vidéo test sur Mario Smash Football fait en 2005. Alors ils ont fait un deuxième jeu aussi par la suite de Mario Foot qui s'appelle Mario Striker, un truc comme ça, sur Wii. Mais il a pas eu autant de succès que Mario Smash Football. Donc voilà, on va juste faire un match amical parce que voilà, on a plusieurs options quand même, hein, un minimum dans un jeu complet, c'est le strict minimum. Hein. Mmh. On a les options, c'est vraiment instructif. Très instructif, c'est là où passe le plus de temps de Fireflame. On passe beaucoup de temps dans les modes d'options. On peut regarder les paramètres parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options dans le jeu. Voilà, audio, on peut baisser les bruitages, voilà, c'est incroyable. Voilà, affichage, on s'en fiche. Oui, nous sommes sur une télé 4D, qu'un 4 tiers. C'est pas grave, nous sommes sur une télé 55 pouces. Cathodique, bien sûr. Bon, alors, le mode bataille, je sais même plus ce que c'est. Créer vos propres combats jusqu'à 16 joueurs, voilà, je crois que j'y ai jamais touché. Et ça a pas l'air fort passionnant. Formation, formation d'apprentissage dans le monde du football. CAP, BEP football. Tout pour devenir un grand joueur comme Ronaldinho. Voilà. Ronaldinho, ça fait quand même 10 ans que c'est dépassé, mais voilà. Voilà, donc là, les super coupes, c'est quand on a fini le mode coupe. Après, on a les super coupes. Donc en fait, tout simplement, c'est faire. Les coupes, c'est juste un tournoi entre plusieurs équipes. Et on est contre des ordinateurs de niveau normal, quoi, à peu près. Ils sont pas très forts, alors que dans les super coupes, ils sont au niveau maximal, niveau professionnel. Attention, ça rigole plus. Et c'est tout. Et à la fin, quand on finit ces deux modes-là, on gagne, déjà, je crois, 2 ou 3 stades. Mais aussi, on gagne un nouveau personnage. Donc là, on n'a pas la carte mémoire, je sais plus où je l'ai paumé, et on s'en fiche. Parce que bon, ce personnage ne ressemble à rien, et pourquoi il est dans ce jeu? Mais bon, c'est le personnage qui est au milieu, c'est un robot. Voilà, un robot dans un Mario. Ça fait un peu Transformers, mais on sait pas pourquoi c'est là-dedans. Surtout qu'il ressemble un peu au héros de Halo sur Xbox. Je sais pas si c'est un hommage à Microsoft ou... Ah, peut-être, hein, maintenant Microsoft sont du côté de Nintendo, donc... Peut-être, hein, on ne sait pas. Peut-être que Nintendo sont devins. Bref, nous allons commencer enfin un match, au lieu de dire des conneries. Et le défi du jour, c'est que moi, Fireflame, je batte Oliver Plasma ce jeu, parce que je pense que c'est arrivé, mais il y a peut-être 2 ou 3 ans. Oui, mais je vais être gentil, je vais prendre Wario avec des cochons. Ah non, non. Encore mieux, on va prendre Peach, la petite cochonne, qui aime traîner avec des petits cochons. Voilà. Des petites cochonnettes. Des petites cochonnettes. Petite birdo. Moi, je vais prendre Luigi avec les Koopas qui sont assez cheatés. Qui sont, d'après beaucoup de fans de Nintendo, des trans. Les birdos. Mais bon, ça c'est autre chose encore. Ok. C'est vrai en plus. Et on va prendre... Voilà. Dites-le, Fireflame. Le stade de la pipeline centrale, stade très adapté aux petites cochonnes telles que Peach. Voilà, c'est magnifique. Parti. C'est parti. Un vidéo test très préparé. C'est... Tout était calculé. Ah,
Les temps de chargement sont assez rapides parce que bon, on est quand même sur la GameCube. Qui dit GameCube dit petit CD et dit peu de temps de chargement. Et je rappelle le défi, je dois essayer de battre Oliver Plasma en 3 matchs maximum. Ouais. Ce qui paraît convenable. Avec les magnifiques supporters en carton, il faut applaudir quand même, très belle modélisation en 2D. Et voilà, alors là, attention, là, ça joue bien, ça joue bien. On sent qu'on a joué environ 30 heures à ce jeu. On a peut-être réellement joué 30 heures, mais en faisant beaucoup de grosses pauses, et du coup, on perd tout notre niveau. Au bout de quelques années. Et on joue comme quelqu'un qui vient de lancer Mario Foot. Ou qui a vu trop de chronombre. Oh! Oh! Yes! Oh non! C'est la déception! Ah, ça sera peut-être vraiment serré avec Wario, mais Peach, elle semble assez forte quand même. En tout cas, le crocodile avec son t-shirt avec un petit cœur, là, il est à fond. Il n'a pas le moral dans les chaussettes. Attention. Oh, oh purée, oh, c'est oh, pas possible. Oliver Plasma est en train de mettre la pâtée, là, avec... Ah, c'est pas de chance. Avec ses jeunes filles sur le terrain. Enfin, on sait pas trop ce que c'est, Birdo. Une espèce de transsexuel, comme voilà, vous avez dit tout à l'heure. D'après, et surtout d'après Yuyu, un grand fan de Nintendo et de Mario Kart. Ah, purée. Oui. C'est l'un des abonnés qui nous suit un petit peu. Ah. Vous faites bien de dire un petit peu, Oliver. Ouais, un petit peu. Oh, oui, ce super action, super but du jeu. Du jeu à la nantaise. Ah, Birdo, il était prêt à tacler, mais bon, hein, Luigi était en train de sauter, donc bon. C'est pas très efficace, hein. Tacler quand l'autre saute. Je vais mettre pause parce que j'ai mon portable qui me fait mal. Il était dans ma poche et puis il était mal placé, on va dire. Ok. T'aurais pu dire, je me repose parce que là, je réponds à un message. Je suis un homme d'affaires très... Oui. Les coupa-coupa-troupa, ça fait de très occupé. Vous savez, sur Twitter, il y a pas mal d'abonnés. Ah purée. Ah purée. Deux fichtres. Ah purée, c'est pas possible. Ah. Pas vrai. Non. D'ailleurs, Oliver Flav va bientôt lancer sa chaîne de vêtements. Et au niveau des boutons, pourquoi pourquoi? Avec la fameuse planète sur un t-shirt. Oui. Elle sera disponible dans quelques années. Ouais, ou jamais. Par manque de budget. Oh là là. En purée. Vous savez, Fireflav, un petit PC portable de haute gamme quand même. Oui. Et donc, mais bon, c'est pas assez haut de gamme pour lui là. Il veut changer. Non. Et il veut... et ça veut dire que, attention, Fireflav pourra faire. Il pourrait sûrement faire pas mal de vidéos à l'avenir. C'est une fake news. Grosse fake news. Et donc voilà, au niveau des boutons, alors moi je voulais dire que quand on n'a pas la balle forcément, c'est un peu comme FIFA, voilà, on peut courir un peu plus vite avec le bouton R, c'est exactement comme FIFA là. on peut tacler avec le bouton B. Y, c'est un gros coup d'épaule qui fait bien mal, mais par contre le personnage met un peu plus de temps à attaquer, forcément. Attaquer, oui, c'est le mot dans ce jeu de foot. Hein. Et sinon, quand on a la balle, forcément, on peut dribbler avec Y, tirer avec B, et A, c'est une passe. Puis après, bah, le bouton L pour faire des lobes, le classique. Et on a le bouton X qui est très spécial, qui nous permet de, comme vient de le faire Fireflav, d'envoyer des carapaces, des objets, que l'on gagne en tirant le plus de fois. Voilà,
en faisant des essais, en tirant, et même si le goal arrête, Oui, on gagne un bon. objet. Voilà. C'est comme tout à fait dans le, c'est comme dans le vrai football. Exactement les mêmes règles. Et pour nous récompenser, quand on gère, et ben ils nous donnent des objets. Voilà, tout simplement. Des objets qui peuvent être bien embarrassants et bien cheatés par moments. Oh merde. Qui peuvent faire péter les câbles à vos poteaux. Et ça n'a pas de prix. Oh! Yes, yes! No. Yes. Mais Oh fais yeah. quelque chose, Birdo, fais quelque chose! Au lieu de remettre ton nœud papillon là! Oui! Alors Oliver, pas trop frustré de ce résultat? La déception! J'ai déjà relevé le défi en Ah quelques purée, il minutes. était déjà en train de gagner! Je savais pas! Pense que la vidéo va durer 10 minutes finalement. Pourquoi ce n'est pas. Oui! Oh là là là! On va faire des vidéos plus souvent. Il a pas les mains moites! Alors Fireflop, quand il a pas les mains Ça moites, il est peut en avoir forme. la technique de l'expérience dans la vie. Et voilà. C'est tout, moi, cette victoire. Allez! Oh merde. Petit coup d'épaule, aïe! Et puis quand on envoie nos adversaires. On va déculoter. Quand on envoie nos adversaires sur le côté du terrain, et bah ils sont électrocutés. Enfin électrisés, évidemment. Il n'y a pas de mort dans Ah le foot. merde. Bon voilà, bon au moins, je me rattrape un petit peu, on va dire, il y a un point d'écart, c'est déjà mieux. Non, il y a 2 points d'écart. Déjà? Allez, fiche. Ça passe trop vite, ouais, la Oui! portée! Et voilà, défi relevé. Bah à bientôt. Salut. La vengeance. Bon, on va voir. On va dire que ça va être le premier joueur à remporter 2 victoires. En fait, Ouais. là, ouais, là c'est le revanche. Juste faire trois matchs, Et après, il y voilà. aura la belle si jamais Oliver arrive à se Oui. hisser à mon niveau. Ce qui m'étonnerait beaucoup. On va faire trois matchs, évidemment, parce que je vais gagner là. Bon, je prends Luigi parce qu'il est cheaté. Non, Non, je bah rigole. non, bah non, Je bah vais pas faire non. mon Kiki Mou, je vais prendre Wario. Fais pas ton kéké. Je vais pas mon kéké des plages. Avec Koopa. Bon, un minimum kéké parce que Koopa, quand même, il est un petit peu pété. Et moi je vais prendre Waluigi, une personne très bouffe. Ouais. Avec des frères marteaux. Là ça fait vraiment Waluigi avec ses cousins bouffes quoi. Le genre à conduire une moto Qui vont faire sans un. chicane et Qui vont faire même. un. Par moment, il dit chicane, mais point d'interrogation, il sait pas si ça existe. Une virée en scooter devant le Super U. Non. Sans casque, le scooter qui fait à balle de bruit. Et puis la GameCube dans le sac à dos. Et, ouais. C'est parti. Attention, Wario. Wario ne me déçoit pas comme Peach là. Peach au début elle était bien, mais après elle s'est laissée Ouais, je déstabiliser pense là. qu'elle avait ses règles personnellement. Pas enfin, cette réflexion ne tient qu'à moi. Oh! Sa technique? Non! Koopa! Koopa Coupa Troopa! loupa. Koopa Loopa! Koopa fail! Oh Yes! merde. Oh là là! Mais oh là là! Bon, par contre, on va pas utiliser les super pouvoirs, hein, parce qu'on peut faire aussi un tir de la mort. Mais bon, c'est un peu être un double de faire ça. Bon, même s'il y a une certaine maîtrise pour réussir le coup, mais bon, on gagne 2 points en faisant ça, hein, on gagne carrément 2 buts. Et c'est un peu de l'anti-jeu. Parce que si on commence à maîtriser bien comme il faut, après, même si on n'a aucune technique dans le game. Et moi, on peut battre un professionnel comme ça. C'était d'ailleurs la technique souvent à suivre contre les jeux, l'IA en professionnel. Je vais avouer, à l'époque, je jouais un peu comme un noob. Oh! Voilà, comme ça. Non, je regarde, je vais pas le faire. Ouais, lui, il peut pas. C'est que les capitaines qui peuvent faire ça. Ah merde!
Seulement le capitaine peut avoir le super pouvoir, sauf le dernier personnage, en fait. Ils sont tous capitaines, voilà, ils peuvent tous faire le pouvoir de la mort. Donc, voilà, quelle action. En plus de ça, les robots sont assez cheatés. Alors, ils sont pas si cheatés que ça, parce que on sait pas pourquoi, des fois, ils perdent la balle. Ils sont un peu, c'est un peu des noobs, quand même, les robots. Pour l'instant, Oliver Plasma tient sa revanche. Non! Oh, Luigi, il est énervé. Vas-y, fais une passe, gamin! Oh, merde. Et tac! Oh, purée, c'est pas possible! Je suis en train de perdre tous mes moyens. Ah, là, il sait plus qui il est. J'ai perdu mon identité. C'est plus la skill de Firefly, là. J'ai perdu mon identité de jeu. Là, c'est plus la skill de Firefly, c'est la skill de Squeezie, là. C'est la skill de Timothée du 44, là. Oh merde! Vite! Hey! Je vais être obligé de perdre contre un joueur en surpoids. Oh, c'est pas un joueur. Non mais Wario, tu vois. Voilà. Et j'adore quand il gagne en plus. Il y a une super animation. Oh merde. Ah purée! Ah purée! Ah purée! Vas-y, goal! Le goal! Oh, c'était pas bon. Un petit là, bah oui, il a fait B plus L en même temps. On voit que Fireflab a de la technique. Et son goal est fort aussi. Il se débrouille. Alors là, il a utilisé le Chomp, l'un des meilleurs objets du jeu. C'est moi qui a fait ça? Oui. L'un des meilleurs objets du jeu, parce que voilà, ça met hors d'état de nuire tous les joueurs quasiment. Et c'est compliqué. Voilà. Je pense que j'étais vraiment plus à l'aise dans le stade des pipes. C'est compliqué. Faut remettre le stade des pipes après. Enfin, tout n'est pas fini. C'était nettement plus agréable. Il reste 2 minutes encore. Il peut se passer des trucs. Firefly peut rebondir. La situation est désespérée. Oh, surtout avec des passes aussi pourries. Oh oui, vas-y moi gamin. Non, la passe. Oh non. Oh. C'est une équipe de losers. Il est tombé, mais vraiment comme une merde. Ne pas perdre contre cette équipe de beauf, c'est mon objectif. Alors toi aussi, t'es une équipe de beauf, donc... Ah oui, je veux pas dire que... C'est le derby. Le derby des beaufs. Wario, c'est un peu le beauf qui boit sa bière et regarde le foot à l'arrache. Oh bien! Qui fait du Paris en sport aussi. Ah, c'est lui qui a marqué en plus, c'est Waluigi qui a marqué. C'est une belle action, on va la revoir en ralenti d'ailleurs. Et Waluigi, c'est le beauf avec son scooter. Oh, comme c'est quoi. Bon, ouais. Belle action. T'as vu, c'est Waluigi qui a marqué. Magnifique action. Ouais. Vous en verrez pas beaucoup des comme ça. En plus, il touche même pas le ballon, c'est exceptionnel. Allez, les gars. Merde. Merde, je suis vénère. Vas-y. Ah non. Mais non. Oh. Bon, bah, voilà, au moins vous avez pu voir. Ça, c'est complètement aléatoire, hein. Des fois, il le match n'est pas fini. Des fois, il n'arrive pas à tirer. Le match n'est pas terminé. Oliver Plasma commence à transpirer. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe, là? Il reprend ses esprits, là. Oui. Ouh. Vas-y, gars. Oh, merde, j'ai de l'espoir. Mais qu'est-ce qu'il fout, le goal? Oh, c'est dommage. Ce but, il veut rien dire. En plus, le coupé, il réagit comme une petite tapette. Bah, il est en train de se dire, mais c'est quoi ce truc? C'était quoi ce but? Oh là là, mais quel retournement! Wario! Ce joueur en surpoids était exceptionnel. Il amortit sa chute avec son bide. C'est beau. Pom. Une belle action de beauf. Wario, il te met des têtes. Yes! Oh là. Heureusement qu'il y a une finale parce que là, c'est compliqué, faut que j'en trouve mon stade des pipes. Non! Oh! Il a sommé! Vite! Oh, c'est loupé. Ah, et aussi quand j'attaque un adversaire avec Y, l'adversaire gagne un objet.
Il y a quand même une justice. Ouais, bien rattrapé. Il y a quand même une justice. Si on infinise l'autre joueur, et bien l'autre joueur gagne quand même des objets. Et belle victoire d'Oliver Plasma et tout ça va jouer en finale. Wario, yeah. Montre ta graisse. Belle action. Yes. Le petit déj de Wario, un peu de Nutella, et c'est parti. Changer les capitaines. Je pense que je vais reprendre Luigi avec... Je pense que je vais reprendre Luigi parce que j'ai peur de perdre. C'est le défi un peu. Si je relève le défi, il va y avoir au moins quelques milliers de vues. Et moi, je reprends Donkey Kong, comme on a fait en off. Il est pas très fort, mais il triche. Oui. Et ça, c'est pas mal. C'est un bon atout. Hello. Vous allez comprendre pourquoi. Pipeline Central. Cette finale inédite sur YouTube. La salle d'attente. La musique de la salle d'attente. Yes. Alors normalement il y a des entrées spectaculaires, hein, des différents joueurs, tout ça. Comme dans la vraie vie, mais bon. On passe à chaque fois à cinématique. Vite, passe ta balle, gamin. Ah, merde. Oh. Oh là là, ça commence mal déjà. Yes, caméraman, paf là. Prends ça, le boîtier d'acquisition. Alors, Donkey Kong, là, il est en forme. Alors, on sent que Donkey Kong, là, il a pas envie de perdre. Il fait sa petite passe. Non! Je sens pas! Ah, merde! Bon, là, un petit lob parce que. Oui, ça c'est beau, belle technique. Ça, c'était pas mal. Stratégie. Voilà. Stratégie gagnante. Alors, que donne un joueur de. De Rome Total War contre un joueur de Nintendo? Oh, c'était beau. Qui fait n'importe quoi. Vas-y! La stratégie contre le fight. Oh là là! Ah, pour l'instant, c'est le fight qui gagne, mais. Le fight. Pas grand chose. Le fight, ouais. Ouais. 99. Le fight, c'est la version nazie du fight. Oh merde. Oh, oui, c'est bon. Sur ma carapace. Alors, on voit que la physique du ballon est bien retranscrite. Nous sommes quand même en 2005. Voilà, faut pas que je perde cette fille. Il y avait FIFA 6. Oh! Bon, ouais, tout le monde est KO. Oh, mais oui. Non, mais c'est n'importe quoi! Que se passe-t-il? Il va marquer. Ah, ça sent le but! Ça sent le but! Oh non! Pourquoi tu dis ça? Si tu le dis, ça va pas se passer. Ah, bah, comme quand on a fait en off, sauf que c'était l'inverse. Ouais. D'ailleurs, off, il y avait des meilleures blagues. Là, j'en retrouve pas. Là, c'est compliqué. Je suis trop concentré. Ah merde. C'est parce que en off, tu jouais moins bien. Tu préfères mieux jouer Je préfère soigner ma réputation sur YouTube. Mieux jouer et pas faire des magnifiques blagues. Ou l'inverse. Je préfère mieux jouer. c'est compliqué. Allez, vas-y. Oh. Ah merde. Là, je viens d'utiliser le champignon pour courir plus vite. Et le tacler. Oh purée, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Bon voilà, ça ressemble à un champ de bataille. Je vais lâcher mes chiens. C'est chien de garde. Chien de guerre, on dit pas chien de garde. Chien de garde, c'est GTA. T'avais dit chien de garde. Non, chien de guerre. Ouais. Dans ton rôle total. T'as pas assez regardé ma vidéo. Avec ton héros au début. Affiche. Ah purée! C'est quand même la vidéo qui a le plus de succès, le plus de vues sur la chaîne. Peut-être grâce à l'entrée triomphante de Fireflav avec son ro qui ne passe pas inaperçu. C'est compliqué.
Mais vas-y, le goal là. Voilà, on attend un petit peu, c'est stratégique, hein. On attend que les joueurs ils puissent avancer un petit peu pour bien dégager. Il n'y a eu qu'un but pour l'instant. Oh, allez, vas-y. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a eu qu'un but. Mais qu'est-ce que... Hop. Par rapport au match de Beauf, ça change. Ouais, il y a plus c'est de plus stratégique en fait. C'est plus stratégique là. Alors que le match de Beauf, c'est tu ouvres une bière et tu marques un but. Là, c'est... Ah merde, oh là là. Ouais. Oh. Je pense qu'il y aura une nouvelle revanche parce que ça peut pas se passer comme ça. Non, ce mauvais joueur. Oh, chacun son tour balance son objet, c'est magnifique. J'avais payé des sponsors pour gagner, et là. La déception. Ah, il appuie plein de fois sur L et R. C'est une technique, c'est une stratégie pour speedrunner le jeu. Et il quitte le match, il rage quitte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va faire le match, ok? Mais tu vas reprendre Daisy, parce que c'était ça au début qu'on avait conclu. Peach. Tu vas reprendre Peach avec son équipe de cochon. Voilà. Et toi, tu reprends Luigi, cheaté. Non, on va le jouer à la régulière. Moi, je vais prendre Donkey Kong avec les frères Marteau. Non, les Toad encore. Ça, c'est une belle revanche. C'est une belle finale, je veux dire. Ouais, c'est magnifique. Et... Pipeline. Et Peach va finir par avoir des hématomes buccaux avec cette Pipeline Center, Oliver. Un nouveau best-of est en préparation. Alors, n'empêche, ça fait longtemps le best-of là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai cru que j'étais Donkey! Purée, j'ai rien compris. Attends, c'est chiant à faire, hein, best-of, tu passes ton temps à chercher les blagues sur une vidéo. Ah, mais le résultat est bien après. Pour 30 vues? Un magnifique résultat pour 30 vues. Alors, en plus, c'est. Purée, c'est la vidéo de la chaîne qui est censée avoir le plus de vues parce que c'est la plus simple à trouver. C'est. Alors qu'elle a que 130 vues. Ouais, mais c'est normal, elle a Oliver Flav dans le nom. C'est le nom, oui. Le titre de la vidéo. Oui. Ouais, mais le mec qui s'est pas abonné, il va sur notre chaîne et hop, il y a direct cette vidéo en marche. Quelle vitrine. Ouais, j'ai pas de vidéo de présentation, je sais pas quoi, moi je mets un best-of. Hein. Oh. Ah, purée. Oh, mais joué. Oh. Oh. Bon. Putain, on dirait Papy Champi là, les champignons en marron. Là. Oh là là, mais quel fight! Quel fight! Oh là 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 là! Peach! Peach Power! Elle a fait un espèce de tir à la Olive et Tom là! Ah, c'est ça, ça a duré tout un épisode de faire ce tir. Et. Magnifique résultat. Très concluant. Attention, attention! Mais Toad! Je veux dire, Birdo là, qu'est-ce qu'il fait? Oula. Allez, Carapace Orange, toujours aussi cheaté. Eh, hey, j'étais sur le ballon. Parce que Carapace Orange sont à tête chercheuse, forcément. Oh! Oh là 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 là, ouais. Allez, mais attendez. Allez, attends, Fireflap. Parce que j'arrive. Fireflap, attends. Voilà les statistiques. Ouais. J'étais en train de gagner 2-0 aussi le premier match. Et j'ai perdu après. Tu m'as mis une pâtée. Tout peut se changer. Tout peut changer là. Pour montrer un peu le stress de cette vidéo. Surtout, l'enjeu. Surtout ne regardez pas la vidéo. Enfin, n'écoutez pas la vidéo avec un casque. Parce que bon, je sens que ça risque d'être compliqué. Il me reste 3 minutes. Il y a encore du temps. Ouais. Ah purée. Oh là là. Oh là, les deux. Allez, oh là là. J'arrive même plus à faire un tir. Il est rouillé, Fireflav, il est rouillé. Là, il est... c'est Papy Mougeot, là. Tout le monde se rappelle de la magie de ce premier match, et là, c'est impossible. Non. Oui, la magie revient. Encore après le 2-0. Ça semble déjà. Voilà. Non, non, not possible. Peach, je te mets les trucs. Des mandales dans la gueule, là.
Ça s'appelle le Vengeance de la Cochon Road. Ouais. Il s'est vengé après pas mal de maboules dans le train. Mais... qui lui ont fait des choses pas très catholiques. Oh. C'est quoi ce fight? Oui, oh, je reviens dans le match. Oui, oh, là, ça, là, c'est oui. Beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Agressivité. Quand il défend sur le boîtier d'acquisition, ça veut tout dire. Ça a changé la donne. Merde. Oh merde. Oh, arrête de tacler dans le vide, toi. Ah purée. Alors sinon, si vous savez vraiment pas jouer comme mon frère d'ailleurs, vous faites plein de tacles et des fois ça passe. Oh. Yes. Ah, il l'avait taclé presque. Ah, c'était pas loin. Oh. Non. Ah, il court vachement vite. Oui, oh belle stratégie. Oh merde. Oh purée. Allez, vas-y, con. Con. Oh. Ah purée. Bah non, c'est mal joué. C'était une belle phase de jeu. C'est pas fini. Oui, vas-y. Les bananes. Oh. Oui. Oh, ah. Super but. Il se lève. Il se lève toujours. Fireflav est tellement à fond. Ce match n'est pas terminé. C'est une simulation pour lui. Il est à fond. Oh là là, et oui, voilà, Bowser, on n'en a pas parlé. D'ailleurs, c'est bien qu'il se pointe. Ça Bowser, il fait ramer le jeu. Et il met sans dessus-dessous le terrain. Voilà, tout simplement. Ah merde, non. Mais oh. Surtout, il fait ramer le jeu. Et c'est pénible. Oh. Oh, oh. Oui. Non. Non. C'est esquive. Non. Oui. On peut pas esquiver jusqu'au bout. Mais. Allez, les toads. Faut une toadette pour vous motiver ou quoi? Oh. Une pom-pom girl toadette. Ah purée. Vas-y. Vas-y. Pas un bourdeau. Oh. Oh merde. Ah, mais c'est n'importe quoi! Oh non, non! Ah purée. Ouf! J'ai jamais été aussi concentré, même Dark Souls, c'est rien du tout à côté. J'ai même moite. Le gros point faible. Je vais faire les stats un peu pour calmer mon ardeur. Ouais. Donc, Ekong, il fait beaucoup plus de tirs. Mais bon, y a pas les passes. Passe parfaite, j'aurais fait plus. Percussion, pour moi, les percussions, c'est. C'est la balle en tout. Pas ça. Maintenant, pas maintenant. Pas après tout ce que j'ai fait. Ah non. Mais non, parce que de toute façon, t'as le but en heure. Oh. Le but en heure. Ah, ces frappes-là, elles passent jamais. Oh. Pff, elle passe quelquefois. Oui, ah, mais oh, non. C'est beau. C'est moi, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ah merde. Ah mais non. Oh, vas-y. Vas-y mon singe. Ah merde. Oh. Là c'est la musique rock. Yeah. No. Oh. Eh mais défonce-les bordel. Putain, oh non. C'est pas possible. Merde, faut que je quitte avant qu'elle fasse sa célébration. Mais pourquoi? Bah pour recommencer. C'est-à-dire que ça annule la victoire. Non mais là on arrête la vidéo, ça va être trop long. Ah oui, et puis on va pas avoir de but. Ok. Ok, la déception. Ouf. Bon bah c'était bien. On aurait pu filmer Firefly qui se lève du canapé pour avoir plus de vues, mais bon. Il est vraiment à fond, on dirait qu'il est dans un jeu de simulation là. Il est limite, faut mettre le casque à réalité virtuelle sur sa tronche et là... Là, il y est, là. Il est dans le match, Firefly.
Bon bah le défi n'a pas été relevé. Et ouais. Je vous donne... Mais le vidéo test a été fait. On a montré Mario Foot, c'est ah bien. Oui, ouais. On montrera pas le mode formation ou bataille parce que... On a donc pas voilà, Mario Smash Football, c'est un jeu qui a eu... En tout cas, la communauté Nintendo ont bien apprécié ce jeu. Contrairement à jeuxvideo.com, les journalistes, ils l'ont saqué. Ils l'ont mis 12 sur 20, il me semble, un truc comme ça. Mais c'est... Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec eux. C'est quand même un jeu de qualité. Et moi, qui suis pas du tout football, qui suis pas du tout FIFA et PES, bah, un petit Mario Foot, c'est pas mal. C'est bien à plusieurs. Et c'est bien à plusieurs, c'est fun. Et voilà, alors on y a rejoué. Le jeu, il est de 2005, on est en 2019, mais il a très bien vieilli. Voilà, et d'ailleurs, pourquoi pas un nouveau Mario Foot sur Switch? Pourquoi pas? Ou sur la future Wii, la Wii UU. La Wii U Plus. Wii U Plus, ou... Qui fera du 1080p, mais pas de la 4K, encore une fois. Enfin, voilà. C'est Nintendo, toujours en retard. Sur ce, à la revoyure pour... De nouvelles aventures. Dans un an, pour moi. À la revoyure. À la revoyure.